Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que vous attendez depuis pas mal de temps, voire des années pour certains. Je parle bien évidemment de Dead Rising 4. Oh, quelle histoire, Dead Rising et Mister B-Boy, c'est des longues histoires. Tout a commencé au début de ma chaîne avec Dead Rising 2 que j'avais fait en coop avec Eddie Dieppe, ensuite Dead Rising 3 en coop avec Dark Funeral, et oh là là, Dead Rising 3, un de mes meilleurs let's play, en tout cas de mes let's play les plus fun et drôles de ma chaîne, et on se retrouve sur le 4. Malheureusement, il n'y a pas de coop en solo sur Dead Rising 4, peut-être l'un de leurs plus gros défauts, mais bon, quoi qu'il arrive, il y aura des vidéos avec Fufu, ne vous en faites pas. En attendant, on retrouve Frank West. Le héros, celui qui est à l'origine de la série Dead Rising. Et le chasseur de zombies le plus stylé. Hey, voilà. Hey, qui va là? C'est psychique. Combattez au corps à corps avec X. Ok, on y va les gars, on va le rejoindre. La voix de la raison. Voix, c'est toi Dark Funeral? Oui, dis-moi tout, Fufu. Hey, Utsik, c'est quoi ce bordel? C'est toi, Fufu? Ok, 25 mètres. On va faire tout le tour. What? On y va. Boucherie, charcuterie. C'est moi qui régale. Oh, le plaisir de redécouper. Alors, Dead Rising, c'est une série tellement chère à mes yeux, les amis. Oh là là, quel plaisir de retourner là-dessus. Allez, on découpe. Allez, tournez. C'est pour toi, Fufu. Ah, putain, voilà, dédicace à notre cher ami Fufu. Fufu! Ah, faut pas disparaître. Souvenez-vous de ce nom parce que le monde entier le connaîtra quand j'aurai révélé la. Ah oui, eh oui, oui, parce que souvenez-vous, ça, bordel, Frank West, reporter. À la base, je suis reporter et donc mon but c'était de dire à tout le monde ce que cachait Willamette, le centre commercial de Dead Rising 1, et donc l'invasion zombie que l'État a voulu cacher tout simplement. Et c'est vrai que j'avais tendance à être un peu arrogant et me prendre pour une star après cette révélation. Je pense, donc là, on est sans doute dans un rêve de Frank. Je sais pas pourquoi je crie, mais avec tous ces zombies, c'est vrai que je suis dans l'ambiance. Okay. Vous êtes prêts? Allez. Allez, tout ça, ça dégage. Ok, on va rejoindre la voie de la sagesse. Fufu! J'arrive! Pourquoi tu es un simple fantôme? Je ne sais pas, Fufu! Je t'attendais! Oh là là! Ah, c'est bien stylé ça! Ah, c'est bien stylé ça! Ah oui, d'accord! Ouais, d'accord! Donc je me prenais pour un putain de héros! Ok, très bien! En fait, en gros, j'étais arrogant depuis que j'ai révélé ce qui s'est passé au Willamette! D'ailleurs, on est au Willamette là! Hein. On est dans le centre commercial de Dead Rising 1! J'ai failli vous faire un let's play sur Dead Rising 1, les mecs! Hein. Failli! Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Ouais! Je suis trompé de 4 héros! Et alors? Ok, on avance en parmesan, les gars. Vous connaissez les bails. Alors, parmesan, c'est quoi? C'est du fromage finement râpé. Et bah là, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait avec des corps de zombies. Oh là là, joyeux Noël, les gars. Je vous régale, hein. C'est pas bientôt fini. Ok, je suppose qu'il faut rentrer là-dedans. Oh là, mais j'ai tellement... Oh là là. Ah ouais. Oh là, hop, ça pour déboucher un couloir et des trous de balles par la même occasion. Je peux s'amuser comme ça, hein. Je peux partir maintenant. D'accord, on m'appelle vieil homme, c'est pas super gentil en tout cas. Nuit au mini-golf, affaire zéro. Frank devait poursuivre le spectre de son jeune alter ego, donc de moi-même, hein, pour sortir du cauchemar. Chose qu'on a réussi, je pense, avec succès. Affaire zéro, nuit au mini-golf, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va jouer au mini-golf? Ça serait bien. J'en recevais une médaille du président, mais en allant lui serrer la main, j'ai buté et je lui ai mis un pain. Dans le cou? J'ai buté!
Vous avez frappé le président par surprise dans le cou ? Avoue que ça te plaît de me faire passer pour un con, hein ? Tu devrais bosser pour la presse à scandale. Je vous emmerde. Oh, autant pour moi, sujet sensible. Tes parents ont été tués par des paparazzi. Ah ah. On va où, au fait ? Du calme, écoutez-moi. Tu m'avais dit qu'on allait au mini-golf. Non, mais franchement, professeur, vous n'aviez quand même pas gobé un truc si gros. J'adore le mini-golf. Ouais, bon, écoutez. Il y a une base militaire secrète. Oh, pitié, pas encore une de ces conspirations d'Internet. C'est du sérieux. Ils mènent des recherches scientifiques illégales. Faites demi-tour. Des expériences sur l'homme. Fais demi-tour maintenant. Franck ! Arrêtez ! Franck ! Toutes les fois où on a parlé après les cours, est-ce que j'avais l'air de vouloir retourner à Willamette ? Tout ira bien. Faut se détendre, là. Ouais, c'est ce qu'on dit avant que les cris retentissent. Oh, c'est vous qui dites toujours que je prends des photos pourries avec mon téléphone. C'est le cas. Alors ? Qui de mieux qu'un photographe mondialement reconnu pour m'apprendre ? C'est mon appareil. Ouais, il traînait dans votre placard. Fermé à clé. Fermé vite fait. Écoutez, ma source parle d'un défilé de sacs mortuaires. Des rumeurs d'essais sur l'homme, un site de missiles abandonné. Franck, vous n'allez quand même pas dire non. C'est non. Franck, c'est notre chance. Je vous en prie. Ok, mais je prends le volant. Quoi ? Non, c'est ma voiture. Get out of the way. Get out of the way, old Dan Tucker. You're too late to come for supper. C'était mon histoire il y a deux minutes. Allô ? T'es ici pour voir comment un vrai journaliste d'investigation se démerde sur le terrain. Sans rien d'autre que ses notes, son appareil et ses grosses couilles, pigé ? Waouh ! Dezio, ta source parle d'expérimentation sur l'homme, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des choses qui piquent les yeux. Et ? Si ça arrive, tu gardes ton sang-froid. Tu prends des notes, moi je m'occupe des photos, on décroche le scoop et on fout le camp. Ok. Faut révéler l'histoire, pas se faire bouffer par elle. Compris. Perds pas l'objectif de vue, ok ? Ouais. Si ça marche, je te laisse la prochaine. Allez, check. Non. Allez, quoi, vas-y. Non, je peux pas. T'es au-dessus de ça, hein ? Je comprends. Le travail nous attend. Il est complètement barge. T'as dit comment entrer ? Oui. Il y a une carte de sécurité cachée dans une remise quelque part. Très bien. C'est parti. Alors, c'est quand même très intéressant. Ça me plaît. Ça me plaît parce qu'ils nous mettent dans l'histoire dès le début. Voilà, donc, j'ai déjà envie Ouvre bien l'œil. De voir comment ça a changé Willamette et ses alentours. Et en plus de cela, bah, il y a cette petite dose d'humour vraiment sympa. J'aime bien. Je vous avoue que j'ai esquissé du sourire plusieurs fois. Dans la première cinématique, donc ça promet du bon. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, trouver la carte magnétique. Bon, bah on y va, hein, les gars, on n'a pas trop le choix. Hein. Il a l'air de rien avoir. Je l'ai trouvé. Et maintenant ? Il a l'air d'avoir aucun rapport avec Dead Rising 3. On y va. Ni le 2, d'ailleurs. Si vite, Fantomette. Je veux ça pas a l'air d'être genre okay. Dead Rising 2, tout simplement. D'être la suite du 1. À voir. Écoutez, wait and see, les mecs. On va découvrir ça tous ensemble. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'évoluer avec vous et de... Et j'avais hâte de vous faire ce let's play, et donc j'ai vraiment hâte qu'on évolue ensemble et qu'on tape des barres. J'ai du café à l'intérieur. Putain, il y a des humains. Bien, ils iront nulle part. Mais qu'est-ce que vous faites ? Franck ? Chut. Oh mon Dieu. Vous l'avez tué ?
Quoi ? Non, non, il dort, c'est tout. Calme-toi. Ok. Ok. Bonne chose de faite. Est-ce que j'ai ramassé une arme ? J'ai quelque chose ? C'est pas un camp d'entraînement des réservistes, c'est sûr. Ces types étaient en tenue de combat. Et c'était quoi, ces masques ? Très c'est vu. Écoute, tu peux te calmer un tout petit peu. Quoi qu'il se passe ici, on partira pas sans preuve. T'as ma parole. Je savais qu'un Frank West sommeillait en vous. La ferme. Ok. Afficher les didacticiels. C'est cette touche ? Ouais. Oh, sympa la petite musique. Et ça rentre dans le thème de Noël en plus. C'est énorme. Neige, petite musique un peu Noël. C'est quoi d'ailleurs cette musique? Oh là là, les droits d'auteur, je suis foutu. Fonctionnalité, ok. Déplacement, interaction, mes couilles. Photographie. Ok, d'accord, il faut appuyer sur R. Ok. Attendez. Chut, j'ai entendu un truc. Je peux faire un selfie? Attendez. Énorme! Prenez des photos. Oh merde. Non, tu crois? C'est pas la première fois que je fais ça, tu sais. Ok. Donc des morts et deux mecs. Ah, mais il le garde vivant. Attendez. Putain, mais qu'est-ce qu'on branle encore ici? C'est énorme! C'est trop stylé, les mecs! Ah, c'est trop stylé, putain. Attends. C'est pas vrai. Franck, chut. Bordel, qu'est-ce qui se passe ici? Attendez. Allons le découvrir. Regardez. On peut changer les expressions. Plus être vénère, être choqué, être surpris. Énorme. Oh, je sens... On va rigoler. Ok, on continue, les mecs. Je sens que l'appareil photo, en plus, il est plutôt bien foutu, assez rapide à prendre en main. Je pense qu'on va taper des petites barres au fur et à mesure de notre aventure. On continue, les mecs. C'est beau, hein, le jeu est beau. Hein. Effet de lumière et tout, vraiment sympa pour l'instant. Je vais passer par ici. Les caméras sont coupées. Mon contact a dû les désactiver. Je peux courir. Non, je peux m'accroupir. Je confondrai toujours deux touches, c'est terrible. Ok, c'est parti. Hop. Des petites patates. Ok. Hop. Est-ce que ça va? Oui. Le psychiatre dit qu'il reste encore du travail. Essayez cette porte. Je vais voir ce que je peux faire d'ici. Ok, d'accord, il y a des zombies. J'aimerais me prendre en photo avec un zombie. Attendez. Je suis pas sûr d'aimer ce que j'entends, là. Attendez. On va y arriver. Je peux pas sortir l'appareil photo. C'est bon. Attendez. Oh, trop bien. Oh là là, mais c'est vraiment stylé. On va changer de gueule. Oh, yes. Yes. C'est pas trop stylé, les gars. C'est pas trop stylé, Rancé. Selfie, c'est propre, ça. Je kiffe bien. Ok. On récupère la clé. Donc, c'est pas mal. Ah, des soins. Le seul moyen de sortir est d'ouvrir toutes les cellules. Quelle grosse surprise! On va les ouvrir une par une. Vous êtes prêts? Attends. Ouais, je suis prêt. Si on veut. Libération de la population. Vous êtes prêts, les gars? Ah! Oh, je suis pas bien. Frère, concrètement, je pensais pas que ça allait sortir de tous les côtés. C'est rien. Quittez! Ah! Hop, ça dégage. Ça rentre à la maison, les gars. Ok, je peux échanger la clé contre quoi? C'est quoi ce que j'ai là? Toujours une clé? Yes? Je peux avoir un café? Attends. Ok. Je comprends pas. C'est terrible. On va essayer échanger café. Ok. J'ai rien compris, c'est un plaisir. Bon, on va mettre des petites patates. Voilà. Ça dégage. Ah, salope. Ok, on va essayer de reprendre la clé. Mais c'est terrible. Attendez, bougez pas, parce que lui, il a l'air de courir vite. Attendez. Oh non. Ah, putain. Ok.
Attendez, faut qu'il me regarde. Faut qu'il me regarde bien, les gars. Oh, il est stylé. Oh, il est grave stylé. Oh, on va s'amuser, hein. On va s'amuser. Bon, par contre, tu m'as saoulé. Allez, hop, ça dégage. Hop, je t'ai dit, ça dégage. Là, faut m'écouter au bout d'un moment. Voilà. Alors, j'ai toujours pas compris. Je l'ai fait. Toujours pas compris comment on. Comment on soigne dans cette histoire. Ah, j'aurais pu faire quelque chose. Alors attendez, ça sert à quoi? Oh oui, une petite patate. Enfin, une petite patate. Petit coup de pied, c'est beau ça. Allez, hop, ça dégage. Ça rentre à la maison. Continue à faire monter pour débloquer des coups. Ok. J'assure toujours autant. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Jetez un œil là-dedans. D'accord, donc prenez une arme secondaire. Alors, ça sert de tuto. Bien foutu. Bien foutu, bien foutu. Je comprends juste pas. Affichez votre inventaire d'armes. D'accord. En maintenant flèche de droite. Ok. Pour les armes corps à corps et flèche de gauche, arme de jet. D'accord. Ok, arme de jet, corps à corps. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai hâte de voir notre arbre de compétences aussi. Vous êtes prêt, professeur ? Moyen. Inventaire plein, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, les gars, bougez pas. Ok. Ah, soigner, flèche de bas, bah voilà. Là on est bon, ok. Je vais ramasser la bouteille d'eau, c'est bon. Allez, boum. On tabasse tout. On électrocute tout ça. Histoire de pouvoir faire mon ulti avec la matraque. Et c'est parti. Ah, je peux pas. Oh si. Chaque arme a son petit ulti, c'est beau ça. C'est beau ça, ils l'ont développé assez rapidement hein, le jeu hein. Dead Rising 3 était sorti il y a 2 ans. Donc en 2 ans, ils ont régalé. Ah, j'aurais pu faire un petit combo sympa là. Ah, j'ai tellement hâte d'avancer dans le jeu les gars, vraiment hein. Ah, je sais bien qu'il n'y a pas de coop, mais là je suis emballé à mort quand même hein. Clairement je suis emballé à mort, c'est quoi? Ah, c'est des morts. Ok. Je descends. Ok, descends bébé. Je vais me soigner. Hop, on va ramasser un petit café. Ça fait toujours plaisir. Mon arme est bientôt abîmée, si jamais. C'est beaucoup mieux que le mini-golf. C'est un peu insensible, vous croyez pas? Ce ne sont que des zombies, Vic. Je sais, c'est juste que... C'était des gens normaux avant. Écoute, c'était eux ou moi. Est-ce qu'on peut poursuivre l'enquête? Ok, ok. Je vous suis. Ouais, non mais les gars, vous savez très bien que je vais abuser de l'appareil photo, ça va être terrible. Ça va être terrible. Ok, c'est parti les gars. Parce que là, l'enquête jusqu'ici, on est bingo. Pas gros. C'est une sorte de laboratoire. Prends des notes. D'accord, rang F. On m'a chié tout ça. Dessus. Ah bah c'est pas mieux, c'est juste qu'il n'y a pas de zombies en fait, ok. En soi, je dois... Ah. Au loin. Quoi? D'accord. D'accord, oui, c'est le temps que je me mette un peu dans le bain. Ça sert à stimuler des changements dans le cerveau. Quoi, t'es étudiante en médecine en plus? Non, j'ai juste lu beaucoup de science-fiction. Ok, la pire visite chez le dentiste, qu'est-ce qui va se passer encore? Ils les ont opérés, on dirait. Il existe déjà un vaccin contre le zombisme. Alors à quoi bon? Quoi que ce soit, c'est flippant. Allez, rancé, c'est bon à prendre, je prends. Je prends des photos de tout et rien, les gars, on s'en bat les couilles. Hein. C'est énorme, énorme, leur nouveau système de prise de photos et de selfies, là. Ok, tu peux te pousser par contre, ma soeur? Là, ça va chier, là. Ah, du Zombrex, ça supprime les effets du zombisme en cas de morsure. Ouais, mais tout le monde est immunisé contre le parasite, maintenant. Où est-ce qu'ils ont pu trouver ces zombies, bordel? Écoute... On n'a pas besoin de toutes les réponses. Juste assez pour vendre l'histoire. Allez, on avance. D'accord, donc les zombies sont plus censés exister. Enfin, c'est plus vraiment un danger. On peut plus se transformer en zombie. Intéressant, ça. On va voir un petit peu ce qu'il en est un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est? Ah, de l'aspirine. C'est génial. En cas de mal de tête, je prends. Je prends, les gars. L'aspégique, toujours... Il fait trop sombre. Ouais. Activez le filtre de vision nocturne. De quoi tu parles? Oh, j'ai rajouté pas mal de nouveaux filtres sur votre appareil. Alors, arrêtez de ronchonner comme un papy et essayez.
Oh. Mais... sympa. Quelque chose d'intéressant? Je cherche, je cherche. Ok... non, rien d'intéressant. On va peut-être ouvrir. Attends, on se croirait dans Outlast. Non, y'a rien. Y'a que dalle. Ah si, peut-être là-haut, attendez, bougez pas. Non, 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 y'a... mais y'a que dalle là, on est bien d'accord les gars. Hein. Je suis pas fou. Pourquoi tu rentres pas? Attends, ils disent que c'est là. Peut-être là, non? Je ne comprends pas! En haut? Regardez, ils se sont foutus de ma gueule ou quoi? Analyseur de spectre? Attends, tu me fais peur là. Quand tu parles de spectre. Des fantômes? Pas possible! Ah! Ah bah putain! C'était terrible, hein! Ah, c'était terrible, hein! On dirait une salle de surveillance! Viens, allons jeter un œil! Physiquement, elle ne présente aucun symptôme. C'est un sacré progrès. Sinon, pas de changement. Pourquoi vous me faites voir ça? On n'améliore pas le traitement, on le peaufine. Ce qu'attend le client de notre part, c'est... un projet d'une telle envergure nécessite toute une vie de recherche. Les progrès que je vous montre sont... Si vous ne pouvez pas tenir les délais, docteur, nous vous remplacerons. Mettez-la avec les autres. Ils font des expériences sur des zombies. Ils les emprisonnent. Et pourquoi faire ? Pour les observer, ils essaient de créer quelque chose. Merde. Franck, on va arrêter ces ordures, ok ? Ouais, on va découvrir ce qui se trame ici, ficher le camp et se faire payer. C'est ça qu'on va faire. C'est tout ce qu'on va faire. T'as quelque chose à me dire ? Toujours. Ok, donc en soi, je suppose qu'il faut des expériences sur les zombies pour les rendre humains. Oh, Franck ! Oh, c'est répugnant. Et que ça va partir en couille très très vite. Je pense que ça va partir en couille très très vite. J'ai hâte de voir aussi la carte finale. Vous pouvez deviner le code avec votre analyseur de spectre. Laisse-moi deviner. T'as encore trafiqué mon appareil. Vous êtes un rapide. Elles me disent tout ça. D'accord. Ok, analyseur de spectre, c'est tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, juste. Hein. En tout cas, s'il y a des fantômes, j'espère pas. Mais bon, avec leur connerie, c'est possible. Quoi ? Nouvel échec. Arrêtez tout pour la nuit. Yes. Ouais, c'était... ouais, c'est un plaisir. J'ai jamais vu un zombie piquer une crise comme ça. Bon sang, Franck. Regardez-la. Elle souffre. Ouais. Et on va devoir traverser cette chambre pour avancer. Wow. Fermez. On pourra pas passer tant que... tant qu'elle sera encore ici. Ok. On active la purge. Intéressant. C'était quoi ces conneries? Ah d'accord. On l'a tiré avec de la viande. Ok. Oh. Bon bah voilà. Il survit encore. Je vous remets un petit coup. Il veut une grillade. Et c'est moi qui régale les frères. Personne. Putain, Franck. Il se passe des choses absolument atroces ici. Et vous trouvez rien de mieux que de faire des vannes? C'est pas très juste. J'ai photographié des trucs et j'ai pensé à... des trucs. Vous en avez rien à faire de ce qu'ils font subir à ces gens, n'est-ce pas? Écoute. On prend que ce pourquoi on est venu et on fiche le camp d'ici. Ok? Ok. Waouh. Elles ont toutes le même visage. Ouais. Une grande famille, tu crois? Fermez-la. Il est con. Ah, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Ok.
Qu'est-ce que c'est? Oh, là, il y a là, quelque chose là-dedans. Il va y avoir des gens très étranges. Essayez d'utiliser votre analyseur de spectre. Vous devriez pouvoir voir derrière. C'en est une autre. Qu'est-ce qu'ils font, ces enfoirés? Ok. Effectivement, c'est pas très... C'est pas très Charlie, tout ça. Frigo, peut-être? Surprise. Oh yes, nourriture chinoise. Et de l'argent! Ah ouais, mais je préfère l'aspégique. Enfin, l'aspirine, pardon. Ok, on peut continuer, donc? Non? 66% de l'enquête, c'est pas terminé. C'est pas terminé, les gars. Faut que je prenne des photos. Continue. La pause, c'est pour plus tard. Ah. Ok, du lait. Tu sais ce que c'est? Ouais, des résultats de tests ADN. Ils clonent des gens pour faire des expériences sur eux dans le cadre des recherches qu'ils mènent sur les zombies. Ils les emprisonnent. Vic, cet article va nous valoir tous les prix de la planète. Alors je t'en supplie. Reste concentré juste le temps qu'on réussisse à sortir d'ici. Pas question que je parte. Je vais mettre un terme à leurs activités. Oh la lourde. Quelqu'un pleure. Vic, on a ce qu'il nous faut, on doit partir maintenant. Vic, stop. Elle va mourir, hein. Qu'est-ce que tu fous? Elle va mourir. Bonjour, l'angoisse. Mais quelle photo! Oh, ouais, elle est vraiment extra. Ils doivent tester une sorte de version militaire du virus, ici. Vite, non! Je t'avais pas dit, on décroche le scoop et on fout le camp. Je pouvais pas. Tu calmes, Vic. Je t'ai dit de garder ton sang-froid. Putain, tu nous mets en danger, là. Vous alliez l'abandonner. Vous servir d'elle. Faut qu'on se tire d'ici, est-ce que tu comprends? Pour vos photos? Vos stupides photos? Je suis reporter, Vic. C'est mon boulot d'informer. Et si tu ne peux pas en faire autant, si c'est trop dur pour toi de te mettre en retrait, tu ferais mieux de foutre le camp d'ici. Allez, go, go, go! Ok, on est clairement pas bien, trouvez une issue! Oh, je prends. Qu'est-ce que c'est? Arme combo! Les plans permettent de créer des armes combo, ça je sais bien! Faut que je me tire d'ici! Nostalgie explosive à l'ancienne! Grenade, masse! Que je peux utiliser dans les barrages. Ok, créer une arme combo. D'accord. Ensuite, combo. Et combo. D'accord, on peut créer... Oh là 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 là, c'est bon ça, pas obligé d'être dans un atelier. Ça me plaît ça. Excellent. Yo. Allez, boum. Ah oui. Ah, c'est des bons coups de marteau. Ah oui. Attendez, et ça? Ça me plaît. Quoi? Allez, dégagez. Allez, tous dégagez. Tous! Ok. Alors là, faut que j'arrive juste à me créer un passage, les mecs. Cassez-vous, putain! Putain de macabé! De merde! De zombie à la con! Allez, vous faire enculer! Voilà! On passe par où maintenant? Hop, yo! Ah, par contre. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait plus d'explosion. J'allais dire, c'est fort dommage. Ok, on passe par là maintenant, supposément. Yo, attendez, poussez-vous, pardon. Hop, ça dégage. Ok. Le méga combo, par contre, je sais pas du tout par où on part là. Ah! Ok, c'est pas par ici. Attendez, j'essaye de trouver une sortie là. C'est terrible. C'est terrible. Tuer les zombies. À tous. D'accord. Je cherche une... Oh, la vache. Ah putain, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Allez. Un petit heal. Un petit remontant, ça fait plaisir. C'est la famille qui régale. Voilà. Ah voilà, salope. Comment elle est partie super loin. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, toi. Hop, tu dégages.
Eh les gars, regardez. Il y a moyen qu'on fasse une belle photo là. Tous ces morts. Il y a moyen qu'on fasse une belle photo au rang S, mon pote. Voilà, épreuve terminée. Ça fait un trophée, ça. Ok, on est bon. On va où maintenant? Il en reste un? Tuer tous les zombies. Oui, il en reste un. Ah bah les gars, il en reste même pas qu'un. Allez, ça dégage. Oh bordel. Je suis trop vieux pour ces conneries. Enfin, vieux, rien de dramatique. Et merde! Non, ça m'intéresse point, ça. Arme à distance. On en est où, là? Voilà, je vais récupérer ma machette, quand même. On va la terminer. On va la terminer. Il y a juste un ou deux cafés. Hop. Deux, trois petits montants qu'on va ramasser. Remontants, pardon. Voilà, on les a mis de côté. Ça, c'est cool. Ça, c'est propre. Ok. Je peux voir le nombre de remontants en bas, à gauche. Vous avez atteint le niveau 2. Ça, c'est cool. Vous remportez des points de talent que vous gagnez. Ok, dépensez-les pour déverrouiller des talents. Ça, c'est cool. On va en faire... Ah oui, l'arbre de compétences. Oh, tellement de trucs dans le jeu. Oh, je suis super content. Ah, je suis content, les gars. Voilà, je suis content. Tabasse enfin dans ce let's play. Débloque les coups critiques pour toutes les attaques de corps à corps. C'est bon, ça. J'ai pas trop le choix en soi. Pour le moment, j'ai pas trop le choix, les gars. Je dois déverrouiller ça. Ok, on déverrouille. Ça, c'est fait. On peut passer à la suite. Ah, j'aurais peut-être dû le déverrouiller dans le tir. Oh, quoique pour l'instant, on a que des armes de corps à corps. Pas ouf. Ok, j'ai 500. Cette fois-ci, les HP, c'est... Ça doit être les commandes de la porte. Un nombre précis. Faut encore un quota. Écoutez bien, tas de crétins. Il y a un truc qui fout le bordel ici, et le commandant sera pas très impressionné si on le laisse faire. Alors fermez-la, préparez-vous et nettoyez la zone. Compris? Oui, chef. Qu'est-ce qui se passe? Descendez-les! Descendez-les! Ok, ils sont pas bien. Là, ils sont clairement pas bien. J'aurais peut-être dû visiter derrière. Non, il y avait rien à visiter. Oh, bah ça... Désolé. Ah, bah voilà ma touche pour sprinter, putain. Ok, bonne chose de faite. S'échapper de la base. C'est Tipa. C'était pas à la voiture. Putain. Non! Non! Vic! 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 Oh, merde. Merde! 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 Oh merde! Oh merde, merde, merde! Tu sens que Franck, c'est le pire boulet ever. Les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime, un max de j'aime, s'il vous plaît. Et de commentaires, ça fait plaisir. Et partagez cette vidéo. Ah là 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 là, le let's play de Noël, il est là enfin. Hein, en attendant aussi Resident Evil 7, c'est incroyable. C'est incroyable.